il va se battre comme un lion pour aller chercher le titre mondial. Dossard numéro 25, Michael Arthur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est leader du championnat du monde pour 4 points. Et ce soir, il a besoin de vous. À vous de faire trembler Marinès pour Mathieu Trésorier. Il reste Joseph Franck, Dirk Fabric, Jesse Mistelen. Et sans oublier Jack Chase. Et c'est Michael Arthur qui prend le meilleur départ de hockey européen. Juste derrière, mesdames et messieurs, avec notamment Jesse Mistelen, le Finlandais qui n'a pas fait le voyage pour rien, qui est en train de mener actuellement la meute. Oh, c'est chaud. Incroyable, Jesse Mistelen qui tient bon pour le moment. Le pilote finlandais qui est en train de mettre tout son savoir-faire au pied de cette manche. Je vais regarder Michael Arthur qui est le chercher tout le monde et qui prend la première place, mesdames et messieurs. Travail incroyable au niveau.
niveau du départ pour aller chercher un notamment Le pilote allemand qui a pris la mesure de cette manche.
là, Michael Hunter qui est juste devant Michael Hunter, le match titre derrière, la manière directe entre les deux hommes et Joseph Franck à la première position. Joseph Franck qui maintenant est bien attaqué, troisième et qui revient petit à petit sur Maître Darieux. Oh, ça va être chaud, nos inventions, les deux derniers tours. Et pour l'instant, Joseph Franck qui vient jouer en tour. Qui a peut-être été en train de gérer, qui peut lâcher peut-être un point. En tout cas, pour le moment, l'Allemand, le pilote allemand qui est en train de prendre l'avantage. Michael Hartel qui va rentrer seul en tête dans le dernier tour. Avec la trace, regardez comment on se met sur le carton de haut, c'était chaud. Et Michael Hartel qui va chercher. Deuxième à Trudarieux, troisième jeune à Fouchard. Tu veux le Mathieu, le bleu. Allez, c'est parti les messieurs pour cette première demi-finale avec Joseph Franck qui prend l'avantage sur Michael Hartel. Regardez les 5 pilotes qui sont au coude à coude avec Stéphane Trédérieux pour l'instant qui ferme la marche. Aïe aïe aïe, Stéphane Trédérieux qui va le retour sur le pilote s'arrête. On est coude à coude. Chercher notamment la deuxième place, Chris Harris qui vient de se mêler à la bagarre, Michael Hartel qui vient de glisser à la première position. Chris Harris qui ne lâche rien. Derrière Richard Roll qui est en contact pas très loin. Et le mano à mano pour la deuxième place. Chris Harris va se mettre à l'arrière. Et il y a un autre devant Joseph Franck qui est en train de faire le spectacle ici sur le site de Marignas avec quelques mètres d'avance sur Chris Harris et Michael Hartel. Michael Hartel pour l'instant troisième. La le représentant de la Hollande. Mathieu Trédérieux est juste derrière Mustonen. Mustonen qui essaye de s'immiscer à la deuxième place. Pour l'instant, c'est Mathieu Trédérieux qui tient bon. Devant Hummel qui est à la première place. Le pilote de qui est la chambre de la surtout sur la première position, regardez le retour de Mathieu Trédérieux, peut-être pour aller chercher la mise dans sa course. Hummel qui est bien chiré, le pilote de l'année, mais Mathieu Trédérieux qui essaye une trace intérieure dans quelques instants. Hummel face à Mathieu Trédérieux, ça va être chaud dans quelques secondes sur la ligne d'arrivée de son point, le pilote de l'année qui a l'avantage. Mais normalement c'est bon hein. Qui va se placer à la deuxième position avec tout simplement Joseph Franck qui pour l'instant prend la première position.
sans succès, qui a cherché la trace de la vie pour mettre à l'extérieur, mais celle-ci n'est pas qui remplit à l'intérieur. Joseph Franck, qui peut aller chercher les victoires de la journée. Joseph Franck, le Jack qui est déchiré alors que nous allons rentrer dans le dernier tour. Michael Hartel qui a plus la tour dans son sac et qui reste le sac. Gentiment, la mise de place. Joseph Franck, toujours à la troisième place. Michael Hartel qui commet l'erreur. Et Joseph Franck qui passe devant. Incroyable, Joseph Franck qui va chercher la deuxième place. Et pour l'instant, la victoire. Qui m'aide. Bon, voilà, premièrement, je veux remercier mon team qui est là, mes canons qui font ça bénévolement, qui sont en fond avec moi, c'est beaucoup de travail. Enfin, tout le team, quoi, on bosse vraiment dur. Merci aux sponsors qui nous suivent, quoi, parce que sans eux, mais, voilà, on ne ferait rien du tout, quoi, ça c'est sûr. Donc, enfin voilà, les sponsors, on les connaît, j'y mets le bâtiment, TCB, Motul, enfin plein d'autres, quoi. Mais enfin voilà, je remercie franchement tous les gens qui sont derrière moi, tous les messages que j'ai eus, tous les gens qui me soutiennent, ça fait vraiment chaud au cœur. Et je suis content d'avoir fait ça pour moi d'abord, et puis ensuite pour ma famille, j'ai toujours ma petite famille qui est là, qui me suit. Et franchement ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir sa famille, parce que voilà, la famille c'est là quoi. Et ça motive et je remercie qui me soutiennent aussi. Et donc voilà, je sais plus quoi dire. Et ben moi, je vais rajouter une couche, Mathieu. Tu vois, tu sais quoi, il y a un de tes sponsors favoris qui voulait te remercier dès ce soir. Je vais demander à Philippe de venir nous rejoindre. Il est où, Philippe? Philippe de l'Ariole. Le président du motoclub de l'Ariole, en personne, qui voulait remercier tout simplement, eh bien, le tout nouveau champion du monde de la spécialité long track, mesdames et messieurs, Mathieu Trésarieux, qui vient de recevoir de son sponsor principal, eh bien, pour le titre de champion du monde, 1000 euros de la part du nouveau club de l'Ariole, jusqu'au président.